Quindi ringrazio molto di cuore anche Fabio, mio grande amico, la Fondazione Eranos, voi tutti, dalla posizione del direttore della Fondazione Braillard, architect a Ginevra. Siamo molto contenti di poter contribuire e coorganizzare questa TAG questa volta, come l'abbiamo fatto 3 anni fa, con un altro tema anche molto interessante sul rapporto tra pensiero e creatività in un'epoca transizionale. Però io vorrei, ho preparato la mia conferenza, la mia parola in francese, se avete d'accordo faccio un switch, anche se poi possiamo troppo discutere in italiano, se volete. Donc, depuis ce... Ça va? C'est bon? Lentement. C'est bien? On va y arriver. Alors, depuis cette crise, nous avons eu cette TAG ensemble avant la crise. On ne s'attendait pas, bien sûr. On n'attendait rien de tout ça. On n'attendait pas une guerre non plus, hein, d'accord. Donc, nous avons donc compris qu'il y a des questions actuelles que nous ne pouvons pas assumer de la manière habituelle au sens d'une, disciplinarité classique. Il faut sortir de cette discipline pour commencer à comprendre le monde. Parce que ça commence à être trop compliqué. Et comme l'a dit Fabio, chacun en restant dans sa discipline, finalement, on n'arrive pas vraiment à refaire la connexion de différents éléments pour arriver à une certaine compréhension. Et donc, justement, hier soir, non, dans la nuit, parce que je ne pouvais pas dormir, j'ai lisé l'article de Joëlle Zask, qui est une philosophe française, qui disait qu'il faut revenir aux fondamentaux, à la Bible, aux mythes anciens, pour comprendre le monde. C'est un article qui a été publié dans Le Monde avant-hier. Donc, on est, je pense, sur le sujet. Et je pense que cette volonté d'allier l'hospitalité et l'habitabilité de la Terre et leur symbolique est à la fois la cause et l'effet d'une sensibilité que nous avons tous aux signaux alarmants qui concernent le réchauffement climatique et ses effets dominants, comme on dit, sur les vivants et sur le comportement erratique humain. Le problème avec l'humain, c'est qu'il a des comportements erratiques. On ne fait jamais ce qu'on appelle par ailleurs en français le putain de facteur humain. Les gens ne font jamais ce qu'on imagine qu'ils vont faire. Donc, le résumé de ce message est que l'humanité doit limiter de manière organisée et juste, donc imaginez le putain de facteur humain, la température moyenne de la Terre au-dessus de 1,5 degré par rapport à l'ère industrielle. Je rappelle des choses qu'on connaît tous. Sinon, le résultat croisé de l'emballement climatique et de nos actes désespérés ou vicieux, ou les deux à la fois, sera probablement une catastrophe d'ampleur sans précédent et surtout inimaginable. Non seulement qu'il est possible, on ne peut même pas imaginer la forme de l'explosion qui aura lieu. Je pense bien sûr au film d'Antonioni et Zabriskie Point, les dernières scènes en lente, hein. Bien sûr, on voit les débris partir dans l'air. Donc, je ne suis pas encore personnellement en position de commenter ce qui se passe en ce moment avec la guerre. Donc, je préfère, pour des raisons méthodologiques et de rigueur, rester dans la question du climat. Mais évidemment, il y a des liaisons qu'on peut faire, chacun de nous, d'une certaine manière. Alors, il y a 4 ans, presque jour pour jour, le lundi 10 septembre 2018, le secrétaire général des Nations Unies déclarait en mesurant ces mots, je cite, «
nous sommes confrontés à une menace existentielle directe. Le changement climatique est la question déterminante de notre époque et nous sommes à un moment décisif. Si nous ne changeons pas le cap d'ici 2020, nous risquons de manquer le moment où nous pouvons éviter un changement climatique incontrôlé, etc. Fin de citation. Alors, mis à part le fait que nous sommes en 2022, que nous n'avons pas changé de cap, pire, nous avons changé le cap dans la mauvaise direction, et il faut dire que ça commence. Le scientifique était toujours prêt à dire la vérité, mais maintenant commence un petit peu les politiciens et un peu les médias à entrer dans le jeu, mais de manière très insipide et molle. Alors, cet été, un petit rappel sous ce léger voile d'insouciance de nos ainsi dites vacances. Hein, nous lisions nos nouvelles, nos journaux sous les fumées et les cendres de la côte nord de la Méditerranée qui s'embrasait. Pareil en Californie, au Canada, en Sibérie. Nous découvrons la sécheresse en Angleterre, qui a surpris sa population et ses pelouses. Nous voyons les associations de protection des animaux qui supplient les habitants en Angleterre, mais aussi en Rhin, à aller sauver les poissons qui sont en train de patauger dans les couacs. Et probablement, on va faire la même chose pour la peau. Bientôt, d'accord. Donc, ou alors peut-être nous allons trouver une espèce de géo-ingénierie, comme on l'appelle, qui va transporter l'eau de là où elle tombe beaucoup, comme en Corée ou au Pakistan, ici, pour remplacer l'eau. Et ça, on verra que ça fait partie d'une certaine idée de la technologie et de la nature que aujourd'hui, évidemment, peut poser problème, même s'il y a beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques même, qui restent déçus. Puis, nous avons le Rhin, ce fleuve majestueux qui ne pourront plus naviguer. Vous avez vu, on a coupé la navigation. Sur les rives de l'Elbe, nous avons découvert des pierres du XVIe siècle qui étaient sous l'eau, qui disaient « Vendumis ist dann Wein ». Quand tu me verras, commence à pleurer. Ça veut dire que c'est grave. Voilà. Et puis, bien là, dernièrement, le 17 août, dans le Oder, en Allemagne, on a pêché des poissons morts. Là, la semaine dernière, on avait des oiseaux morts qui tombaient. Il y a une espèce de situation qu'on va voir comment on les caractérise. Les glaciers, et la calotte glaciaire, etc. Ce n'est pas la peine de répéter des choses, je pense que tout le monde ici est à peu près au courant, mais c'est important dans cette table ici, dans ce milieu, devant cet espace mythique, de faire état de ces choses, oralement, verbalement. Il y a des moments où il faut dire les choses. Et en même temps que donc, le climat abat les humains, il n'épargne pas le reste du vivant. Nous avons donc des populations, des animaux, ce n'est pas que les hommes, c'est les animaux, de plus en plus, et qui sont sous le choc. 3 milliards d'individus blessés ou tués dans les incendies en Australie. C'est là où on discutait avec Suzanne, moi j'ai eu aussi une espèce de choc qui m'a un peu dit que le koala, pourquoi un koala brûle est plus important qu'un homme qui brûle, question qu'on peut discuter. Et c'est ça qui nous fait donc du coup penser d'une autre manière cette injonction biblique pour le coup de la Genèse. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal sur terre. C'est une des premières phrases du livre de la Genèse. Ce sont des questions qui se posent. Alors, mon recours à l'Ancien Testament n'est pas anodin. La liste des incidents qui composent la crise climatique est tellement longue, dramatique et sans précédent qu'elle incite à chercher nos références loin dans des profondeurs. On est d'accord, on a compris que donc on ne peut plus rester dans nos références normales. Catastrophes bibliques, déluges, cataclysmes, apocalypse, etc. sont des mots qui ne font qu'accentuer une inquiétude pour le futur. En 2016, le philosophe Peter Sloterdijk faisait une remarque saisissante.
Depuis le 19e siècle, quand nous nous retournons sur le passé, notre regard se porte dans une dimension chiffrable en millions d'années et plus. Dans l'avenir, personne n'ose encore prévoir à plus de quelques décennies de distance. Fin de citation. Alors, cet horizon estompé du temps entraîne aussi l'espace. Nous avons un problème de blocage du temps, mais de l'espace aussi. Si nous n'avons pas une espérance du futur, c'est que nous n'avons pas ou non plus des lieux où cette espérance serait concrétisée. Ne pas pouvoir se projeter dans le temps de nos vies équivaut à ne pas pouvoir se projeter dans l'espace terrestre. C'est en cela que les conditions de vie deviennent un enjeu. Restituer la possibilité d'une histoire signifie d'une part maintenir la possibilité de vivre notre humanité et donc maintenir l'habitabilité de la Terre. Et d'autre part, il est essentiel de construire de nouveaux récits qui rendent cette histoire ou ces histoires possibles. À cette fin, il faut créer un matelas des multiples interprétations de nos expériences sur le climat, nos vies, nos besoins, nos peurs, nos espoirs. On en reparlera à la fin. Comme l'a suggéré une des personnes les plus informées, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, français, qui a dit qu'au fond, si ce matelas, il faut l'appuyer aussi sur l'expérience humaine multimillionnaire. Je rappelle qu'un récit, c'est une forme littéraire qui, dans un ordre arbitraire, mais spécifique, raconte des faits d'une histoire. C'est ça, c'est comme ça que j'utilise le mot récit ou narrative en anglais. Alors, ces pensées que je vais partager avec vous sous le titre « La deuxième chute du paradis » n'ont pas la prétention d'une recherche conclusive, ni sur les données scientifiques, ni sur les références archétypiques, mythologiques ou bibliques qui peuvent donner un peu de relief à ces récits. Paradoxalement, comme vous le savez, on discutait hier avec Fabio, aussi bien la science que les symboles restent privés d'une validité générale et absolue. Ils sont mis en question tout le temps, de l'intérieur et de l'extérieur. Et Karl Popper disait, la base empirique de la science objective n'a rien d'absolu. La science ne repose pas sur un seul socle solide. La structure audacieuse de cette théorie s'élève, pour ainsi dire, au-dessus de marécages. C'est comme un bâtiment érigé sur pilotis ou pieux. Les pieux sont enfoncés d'en haut, dans le marais, mais pas jusqu'à une base naturelle ou donnée ou stable. Et si nous cessons d'enfoncer les pieux plus profondément, ce n'est pas parce que nous avons atteint une terre ferme, c'est parce que nous arrêtons simplement lorsque nous sommes convaincus que les pieux sont suffisamment fermes pour porter la structure, du moins pour le moment. Donc, ce sont des choses qui avancent et qui évoluent. Et d'autre part, la discussion interminable sur les archétypes jungiens, par exemple, ne cesse de nous rappeler que c'est un bricolage facile d'un prétendu langage symbolique et diachronique. Les défenseurs ou les détracteurs de la théorie sur l'universalité des symboles ne font que rappeler que cet autre marécage, que sont les cultures dans leur incessant dialogue, malentendu, sclérose, isolation et domination. D'accord ? Donc, disons, science et récit symboliques ne sont pas objectifs. Oui, mais ils sont intersubjectifs. Alors, c'est donc la science et les symboles, et la symbolique et les récits délimitent des champs de convergence de très nombreux sujets. Nous nous accordons sur les sens qui décident d'agir sur la base, et nous décidons d'agir sur la base de ces accords. Les métaphores sont plus que jamais nécessaires pour faire comprendre au plus grand nombre la véritable nature de la Terre et les périls mortels qui se profilent à l'horizon. Alors, qui a dit ça? C'est James Lovell, qui vient de mourir cet été. Un scientifique, donc. C'est ainsi qu'il a nommé sa théorie, hypothèse Gaïa, comme vous le savez. Alors, notre base empirique à l'éventail des récits scientifiques et mythologiques devient de plus en plus partagée et commune grâce aux médias, grâce à la communication. Et on voit que c'est non seulement l'hospitalité, mais tout simplement l'habitabilité de notre planète qui se déstabilise à travers ces récits qui commencent à converger dans les médias et dans des endroits comme ici. Alors, hospitalité, habitabilité.
Un milieu peut éventuellement rester habitable in extremis sans être nécessairement hospitalier. Le pôle, le désert, il y a des gens qui habitent. Alors, les vivants peuvent s'y accommoder avec plus ou moins de stress, stress hydrique, stress alimentaire, stress sécuritaire. Alors, le contraire n'est pas possible. Nous considérons donc, en tout cas, j'essaie de voir la chose comme l'habitabilité, comme la qualité substantielle, la substantia de notre discussion, et l'hospitalité, une qualité qui différencie, une différentia, ou en dernier ressort, une qualité accidentelle, une accidentia, pour reprendre Saint Thomas d'Aquin. À moins que nous osions renoncer à habiter un milieu s'il n'est pas substantiellement hospitalier, ce qui suppose une offre assez large. On peut laisser un endroit parce qu'il n'est pas assez hospitalier pour aller à un autre plus hospitalier. Mais comme on le verra, les prévisions semblent restreindre les options et avec cette irruption de cette crise cosmologique comme la caractérise le sociologue et philosophe Bruno Latour qu'on va citer, qu'on va entendre souvent ce matin, et qui a fait des analyses sur la Terre, les vivants et les humains, très influencé par James Lovelock. Alors, on verra pourtant à la fin que les rapports entre hospitalité et habitabilité pourraient changer. On verra. Pour l'instant, prenons l'hypothèse que nous avons une structure, je dirais, traditionnelle, classique, avec l'habitabilité étant les substantiels et l'hospitalité une des options possibles. Mais on verra. Ça pourrait éventuellement se modifier au vu de quelques besoins vitaux de l'humanité et de la planète, car il faut être réaliste et inventif face à ce grand bouleversement du monde, où le président Macron l'a caractérisé lors du Conseil des ministres le 24 août, là récemment, en indiquant trois fins. Fin de l'abondance, fin de l'insouciance, fin des évidences. On ne trouvait pas dans cette phrase un arrière-goût d'autoréprimande du genre « voilà, nous avons tout gâché ». Voir l'annonce des conséquences sur la base d'un récit partagé, un récit de chute. Alors, ça rappelle aussi le discours de Macron, les titres du Economist en 2008, au lendemain de l'effondrement bancaire « Paradise Lost », une référence directe au point de homonyme de Milton. Bien que malmenée, cette expression d'une part condensait les angoisses inhérentes à l'agonie du capitalisme financier américain et mondial, et d'autre part, elle exposait la propension viscérale d'une très grande majorité des humains, que nous sommes, à s'adjoindre à des présages religieux, laïcs, conservateurs, progressistes, libéraux, néolibéraux, paléo-néo-socialistes et autres. On veut croire à des récits. Comme l'avait dit d'ailleurs aussi Harari dans Homo Deus. Alors, le motif, donc, un de ces récits du paradis perdu, mais d'autres que nous verrons aussi, renvoie au nombre croissant parmi nous qui se trouve face au grand chamboulement de cet environnement où on est, avec un moral de plus en plus sapé. C'est vrai, c'est-à-dire, nous sommes, fabuleusement, on était hier un peu d'accord qu'on écrivait avec un nœud dans le ventre, parce que tous les jours, quand tu cherches à travailler sur ce document, tu as des nouvelles qui t'arrivent et qui renforcent le sentiment que tu n'arrives plus à être à jour sur ce qui se passe dans le monde, tellement c'est rapide. Alors, ces morales sapées, c'est parce, d'une part donc parce que nous ressentons que la fête est en train de finir, d'autre part parce que nous nous rendons compte qui est la raison de cette fin précipitée de la fête et que nous avons été, certains plus que d'autres, un peu trop gourmands devant le buffet. Car nous sommes tous conscients de l'hypocrisie, je cite, l'hypocrisie fondamentale qui crée une déconnexion entre d'un côté le monde dans lequel je vis en tant que citoyen et de l'autre le monde dont je vis en tant que consommateur, comme le disait Bruno Latour, qui continue. Si un État se limitait à ses frontières, il ne vivrait pas. D'où son inquiétude? Comment subsister? Ces porte-à-faux, nous les ressentons forcément comme une angoisse, surtout si nous sommes riches.
Et encore plus si nous sommes de ces générations qui ont profité le plus longtemps, les célèbres et si encombrants baby boomers. Sentiment d'un étouffement qui s'accroît au fur et à mesure qui s'intensifie la mutation climatique. Alors, ce sentiment qui s'intensifie au fur et à mesure que mon propre sentiment de culpabilité se mélange avec des soupçons de culpabilité réciproques des autres. Et cette réciprocité se résume en des controverses et des conflits. Par exemple, l'histoire des jets privés. Qui a le droit de consommer maintenant hein, en France ou en Angleterre ou aux États-Unis ou en Suisse ce qui reste du fioul hein. D'où cette multiplicité de controverses, dit encore Bruno Latour, qu'on appelle environnementale, sur chaque participant d'un monde qui n'est plus du tout commun. Viande, atomes, forêt, éolienne, vaccin, voiture, briques, pesticides, poissons, graines, fleuves, tout est désormais matière à conflit. Mais voilà, ces conflits ne s'organisent pas en tableau reconnaissable. On ne sait pas qui est avec qui. Ça fait partie du problème. Chaque portion de mon corps, dit encore Latour, de ma niche, de mon territoire, est occupée par d'autres pour mon bien ou pour mon malheur. Je veux bien avoir des amis et des ennemis, mais je voudrais qu'ils s'organisent en ligne un peu plus reconnaissable, en camp, en front. Les émetteurs du CO2, où sont-ils? Les destructeurs d'abeilles, comment savoir s'ils ne sont pas déjà dans mon jardin ou même dans mes placards? Alors, cette nébuleuse de lignes, de front, génère un fouillis psychologique qui a un nom, éco-anxiété. Ces innombrables expressions ont la tendance de se révéler dans des termes, des images, des symboles qui non seulement nous aident à communiquer notre appréhension, c'est une appréhension terrible que nous avons, mais aussi font partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Et ce que cache ces invocations, et que dit essentiellement Bruno Latour, c'est que cette anxiété est fondée sur le fait que dorénavant, nous savons. Nous sommes parfaitement au courant des causes de cette débâcle, grâce à des connaissances de plus en plus précises sur ces causes et ses effets. Et nous sommes inquiets parce que notre rôle majeur, notre responsabilité, peut-être même notre culpabilité, sont clairement avérées, mais dans une géométrie ou une topologie des responsabilités qui n'est pas encore claire, qui est mouvante. Donc, on ne sait pas combien on est coupable. C'est comme vous voyez la bande des condamnés au tribunal qui se regardent les uns les autres. Non, lui, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. C'est à cause de lui. Et lui, non, c'est à cause. Donc, on est tous un peu comme ça dans une situation. On voudrait dire verser la culpabilité un peu quand même, parce que ça serait quelques années de moins de prison, tu vois. Après, ça va, on est là. Alors, j'ai mis une hypothèse selon laquelle, si nous parlons de paradis perdu, de prophéties, d'apocalypse, de cataclysme, etc., du moins dans nos cultures occidentales, judéo-gréco-chrétiennes et latines, c'est parce que ces mots désignent un certain entendement, certes vague, et pourtant convenable, et communicable des conséquences de nos actes. Les scientifiques ont déjà fait un premier pas, ils ont nommé l'ère anthropocène. C'est déjà un acte culturel. Mais le commun des mortels est en train de découvrir de manière davantage consciente et informée qu'il y a une fin d'époque, et ce qui permet d'établir une analogie entre, d'une part, le mythe de la première chute du paradis, causée par la connaissance du bien et du mal, et, d'une autre part, la chronique de cette deuxième chute annoncée par les récits scientifiques et notre sortie forcée de la bienheureuse modernité, comme l'admet sans sourciller Bruno Latour, en disant, je cite, « Il n'y a pas de terre qui soit de taille à contenir notre idéal de progrès, d'émancipation et de développement. » Il n'y a pas de terre. De terre. Il n'y a pas de terre qui soit de taille à contenir notre idéal de progrès, d'émancipation et de développement. Fin de citation. Alors, à quoi sert alors une analogie si on est là, on ne va pas faire la danse du ventre devant le problème pour enchanter le mal? Et quid de biais culturel? Ici, chez nous, c'est comme ça, chez les Chinois, ce n'est pas comme ça, il y a d'autres. Certes, il y a un biais culturel et entre le phénomène et le prisme de la langue, mais ce n'est pas pour autant que cette interprétation est inopérante ou inutile. Ça reviendrait à nier la fonction culturelle et éducative des mythes et des légendes du monde entier.
dont le périmètre de validité varie selon les époques, les milieux, les moyens de communication et les continuités ou les ruptures historiques. Mais il faut être reconnu et assumé, ces biais nous permettra, on espère, j'espère, d'effectuer une lecture conceptuelle féconde de la réalité. La saisir, cette réalité, comme une possibilité de ce qui suit, pour reprendre une fameuse apostrophe de Hegel, qui par la même occasion imaginait cet effort de compréhension dans la même phrase, en sympathie avec la nature, en accord général à travers la nature, comme les animaux anticipent le tremblement de terre. Alors, en abordant la dynamique des références et des symboliques utilisées pour lire ce qui nous arrive et en tentant de comprendre pourquoi notre pressentiment nous pousse à fusionner les informations scientifiques à des chemins imbus de symboliques, de symboles bibliques, nous pourrons éventuellement renforcer notre résilience face aux prochaines secousses qui vont à coup sûr ébranler notre existence, secousses matérielles et secousses spirituelles. Alors, je suis à 5 minutes de retard. Depuis 2010, en parallèle à une lecture scientifique cohérente du GIEC, du groupe intergouvernemental des experts sur le climat, le fameux GIEC, je ne sais pas comment c'est en italien, IPCC en anglais, il naît une couverture médiatique qui cherche ce terme dans les champs très larges des références religieuses bibliques. Je cite en anglais, "We're just kind of at God's mercy right now, so hopefully people that never prayed before this, it might be a good time to start." C'est ce que je disais, le shérif Don Seller du comté de Lille, suite aux pluies diluviennes au Midwest en 2008. Et il continuait, "We're going to need a lot of prayers and people are going to need a lot of patience and understanding." En 2014, La République publiait la recherche du climatologue australien Stephen Sherwood sous le titre « Entro il 2800, le temperature saliranno di 4 gradi. Sarà un'apocalisse. Le emissioni di CO2 causeranno la scomparsa delle nuvole che riflettono i raggi solari, eccetera. E poi, en cet été 2022, ancora La Repubblica, il clima è già cambiato. Numerose previsioni scientifiche indicavano il 2050 come l'anno del cambiamento. Ebbene, con 28 anni di anticipo, dopo siccità, incendi, 45 gradi diffusi su mezza Europa, ecco che la profezia si avvera." Et l'agence France Presse déclare que dans certaines zones du sud-ouest, ce sera une apocalypse de chaleur pour qualifier des températures caniculaires, des records absolus de chaleur, etc. Et encore Le Monde, juste la semaine dernière, c'est l'apocalypse, mais ça, il citait un Pakistanais qui parlait du Pakistan. Et même les Pakistanais, bon, quand même, c'est des gens du livre, hein, les musulmans, de la Bible. Donc, l'apocalypse. Il y a encore quelques climato-sceptiques qui diront que ce sont des catastrophes naturelles. Ce qui est vrai, mais ce qui se passe maintenant, c'est que nous pouvons les aligner sur un phénomène global. Ce ne sont pas capables. Le phénomène, c'est le réchauffement climatique, et tout ce qui se passe, ce sont des pièces du puzzle. On commence à réunir les éléments qui, auparavant, on les voyait comme des éléments différenciés et séparés. Et ça, ce puzzle qu'on commence à composer dévoile une figure qu'on pourrait appeler menaçante, on est d'accord. Et c'est ainsi que les médias et les récits occidentaux, surtout, commencent à retourner vers l'apocalypse, le dévoilement de cette figure menaçante, parce qu'ils commencent à voir la figure qui était pour l'instant fragmentée en plusieurs morceaux, phénomènes, etc. Alors, d'où aussi le terme, enfin, le recours à l'apocalypse, parce que c'est une taille de problématique, de problème qui dépasse n'importe quelle autre manière de le décrire. Si tu dis catastrophe, ce n'est pas suffisant. Si tu dis grande catastrophe, ce n'est pas suffisant.
Il faut trouver les termes qui correspondent à ce que tu commences à ressentir. Alors, probablement, nous sommes très peu nombreux à avoir lu l'intégralité du texte qu'un dénommé Saint-Jean, un dénommé Jean, avait écrit sur l'île de Patmos vers la fin du premier siècle de notre ère. Son auteur écrit ce terme apocalypsis, découvrement, dévoilement, révélation, dans la lingua franca de l'époque, pour appuyer un sens de nouveauté, de compréhension absolue nouvelle. C'est un texte largement diffusé, interprété, réinterprété. L'Apocalypse est aussi fait partie, la dernière partie du Nouveau Testament. Donc, elle offre un florilège d'images et de situations pour prédire, pour dévoiler la situation, le futur d'une catastrophe terrestre qui provoquerait l'effondrement de l'humanité sous le poids de ses propres erreurs. Alors, je vais vous lire quelques extraits. Je profite de cet incroyable moment pour faire une lecture de quelques extraits de ce texte. Je ne sais pas combien de parmi vous ont vraiment lu. J'ai trouvé la traduction du Genevois Louis Segond de 1910. Il y a un septième saut, le fameux septième saut, on l'a vu depuis. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu, mourut, et le tiers des navires périt. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et les nuits de même. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Et puis le cinquième ange sonne la trompette, et il monta depuis une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. Et il leur fut donné non de les tuer, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment qu'il cause le scorpion quand il pique un homme. Et quoi que c'était. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Et cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la deuxième partie de la ville tomba. Babylone, hein, la ville maudite. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, etc. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle, etc. Je saute bien sûr dans le texte pour vous donner juste les éléments les plus physiquement compréhensibles. Vous comprenez que derrière, il y a des choses, des anges, des trompettes, etc. Alors, vous dites que tout ça, c'est quand même un peu une imagination fébrile, de qu'est-ce qu'il avait fumé ce genre, etc. Alors, je vous invite à comparer ces récits à un autre. Nous faisons face à une pandémie dévastatrice. Le réchauffement planétaire atteint de nouveaux sommets. La dégradation de l'environnement n'a jamais été pire. La planète est dans un piètre état. L'humanité fait la guerre à la nature. C'est une entreprise suicidaire. Car la nature répond toujours coup pour coup et les fait déjà avec une force et une fureur de plus en plus grande. La biodiversité s'effondre. Les écosystèmes disparaissent sous nos yeux. Je saute. Les océans sont victimes de la surpêche et envahis des déchets. L'acidification des mers, les récifs coralliens blanchissent. La pollution de l'air et de l'eau tue 9 millions de personnes par an. Nous frôlons la catastrophe climatique. Les incendies, les inondations, les cyclones, les ouragans,
L'été dernier, de telles catastrophes ont coûté au monde 150 milliards de dollars. Soyons clairs, les activités humaines sont à l'origine de notre plongée dans le chaos. Et en venant au bout de la pandémie, nous pouvons également éviter peut-être les cataclysmes climatiques et restaurer notre planète. Alors, ça, c'est le mot du secrétaire général des Nations Unies il y a 2 ans. Voilà. Je ne voudrais pas faire de la herméneutique à 2 balles, mais je pense que vous avez compris que nous avons là des textes d'une pareille force dans des contextes certainement très différents, mais qui nous sommes capables de mettre en accord. Alors, j'ai quelques minutes encore pour parler du cataclysme. Vous voulez qu'on fasse quoi? Si vuoi continuare ancora un po', 5 minuti. 10 minuti. 10 minuti. Le luxe de la pensée. Alors, avec les cataclysmes climatiques, il y a une deuxième notion catégorielle des catastrophes due à une volonté supra-humaine qui se voit récupérée dans la tradition biblique. Elle colore le discours qui se veut comme la révélation, résolument inquiétant, voire révoltant. Ainsi, après quelques jours après le discours du secrétaire général, qui était pendant le Covid, hein, c'était en 2020, et nous l'avons à côté à Genève, donc on a souvent des contacts, le Forum économique mondial à Davos, chez vous, à Rouen, appelle à l'action sans tarder, puisque, je cite, le changement climatique sera soudain et cataclysmique. Nous devons agir vite, selon les mots de Peter Giger, chef du département de risque du Zurich Insurance Group. Plus récemment, le qualificatif cataclysmique réapparaît dans un article du Guardian, datant du 22 avril 2022, annonçant une extinction cataclysmique de la vie marine, sans égale depuis 250 millions d'années, et pas plus qu'un mois en arrière, le National Public Radio américaine annonce des inondations qui arrivent là, cataclysmiques pour la Californie, quasi certaines, dues au réchauffement climatique. Alors, pourtant, cette histoire de cataclysme n'a pas été inventée là. Il existe depuis longtemps, bien sûr, mais en 2008, il y a une institution qui est très proche du pouvoir américain, la Brookings Institution, qui est bien établie sur la Massachusetts Avenue à Washington, pas loin donc du Capitole, qui publiait les résultats d'une recherche sous le titre Climatic Cataclysm. Le point de départ est la sécurité nationale, évidemment, et son rapport au changement climatique, mais la base de la réflexion est la pensée de M. Al Gore, qui a beaucoup changé, il faut citer cette personne, ce personnage extraordinaire, notamment sur le destin, sur le fait que le destin du pays est lié au destin du globe. On ne peut pas survivre l'un sans l'autre. L'auteur James Wolsey de cette recherche, qui aujourd'hui, j'ai vu là récemment, est en charge de la diplomatie américaine en Pacifique, donc par rapport à la Chine, en ce moment, c'est la même personne. Il écrivait que, je cite, si nous considérons ensemble les plausibles points de basculement climatique et l'augmentation des émissions provenant du développement économique mondial, il y a un risque que ces changements deviennent cataclysmiques. Alors, contrairement à l'Apocalypse, qui est un héritage proprement chrétien, le cataclysme est un héritage transreligieux, interreligionnel. Ça, c'est vraiment intéressant. Il fait partie de l'Ancien Testament, mais ce n'est pas que les juifs ou les chrétiens qui le considère. On a donc l'épopée de Gilgamesh, qui date du 18e siècle avant Jésus-Christ, selon lequel le dieu suprême Enlil détruit le monde avec un déluge parce que les humains sont devenus trop bruyants, alors que le dieu Ea, qui avait créé des humains à partir d'argile et des sangs divins, avertit secrètement l'héros Utnapishtim du déluge imminent et lui donne des instructions détaillées pour construire un bateau
pour que le vivant, la vie, puisse survivre. Puis bien sûr, le récit de la Genèse, donc la version hébraïque du mythe universel qui se trouve dans le livre de la Genèse, selon lequel Dieu décide de restaurer l'univers dans son état d'avant la création. C'est une histoire qu'on disait tout à l'heure, quel état de la nature nous changeons, pourrait démarrer avec un microcosme de l'arc de Noé. Alors, le même prophète, comme cette fois nommé Nous, N-U-H, dans le Coran, donc la version coranique, la version musulmane du déluge, Madhvantara Sadhya de l'hindouisme, qui est une période de temps cyclique et qui identifie la durée, les règnes et l'âge de Manu, qui est le géniteur de l'humanité et dans lequel l'avatar Matsya du Vishnu avertit le premier homme, Manu, de l'inondation imminente et lui conseille de construire un bateau géant. Le Guyu, dans la mythologie chinoise, avec une période de fortes précipitations accompagnée d'inondations, qui était quelque chose qui était vraiment arrivé entre 2300 et 2200 avant notre ère. Le mythe grec de Deucalion, où le mythique roi d'Arcadie, Lycaon, sacrifie un garçon à Zeus. Zeus est consterné et il décide de mettre fin à la civilisation du bronze et il déclenche un déluge. Et là, aidé par son père Prométhée, on ne va pas parler de Prométhée cette fois, mais ça fait partie de la question de la nature et de l'homme, bien sûr. Deucalion en survit avec sa femme Pyrrha grâce à un coffre flottant et réussit à refonder l'espèce humaine. La mythologie nordique, notamment Gylfaginning, alors que le sang de l'ancestral être suprême Ymir inonde la terre, le dieu Bergelmir s'échappe sur un coffre avec sa femme pour effonder une lignée de géants. Et un récit mythologique irlandais, le Lebolgabala Eren, avec une semblable histoire. Et puis, bien sûr, encore la Polynésie, les Mayas, les Amérindiens, la mythologie Inca, etc. En tout état de cause, les déluges ravivent dans la mythologie des mémoires collectives d'extinction dues à la fin de la glaciation, la montée des eaux marines. On a eu une montée des eaux de 150 mètres entre les deux périodes, et la perte d'anciennes civilisations. Mais contrairement au récit de l'Apocalypse, celui du déluge raconte une refondation sur Terre, après une purge dure et intégrale. Alors, cette histoire du déluge et du cataclysme est encore un élément fort dans cette chaîne de terminologie, de termes, des sujets relatifs à la Bible ou aux religions qui prend ces questions, mais il a été très bien ausi utilisé par Peter Sloterdijk dans un très puissant livre qu'il a publié en 2014 sous le titre « Die schrecklichen Kinder der Neuzeit ». Si on traduit ça, c'est « Les vilains enfants de la modernité », mais qui a été traduit en français par le titre bien plus poétique « Après nous, les déluges ». Alors, comme ça, le philosophe commence son livre avec cette phrase légendaire de Madame de Pompadour, qui aurait prononcé cette phrase lors d'une fête en 1757, dans une fête alors, où, quand elle a appris la défaite de l'armée française, de son armée, à la bataille de Rosbach face aux Prusses. Alors, comme dit de manière très drôle, protestant de Jacques, au-delà des us et coutumes hystérico-galants de la cour française de l'époque, dans cette phrase, il y a une importance plus diachronique. Je cite. Les générations ultérieures voulurent lire dans cette phrase, dans cette expression, le testament de la noblesse française, voire le dernier mot de l'ère aristocratique. Les classes frivoles des décennies suivantes, donc au-delà de l'aristocratie, se sont emparées de cette sentence prononcée au vol. Depuis, les riches et les casse-cou savent pertinemment que l'insouciance est une fiction qui se paye. Les insouciants, les adeptes de la tête brûlée, les désinhibés d'aujourd'hui, la liberté dont on parlait avec Andréa tout à l'heure,
la liberté, les États-Unis d'aujourd'hui ne célèbrent pas une seule fête entre Saint-Moritz, Dubaï et Moscou sans que cette parole proverbiale y soit dans l'air. On peut le constater sur un ton tranquille. Avec elle, avec cette phrase, apprenons le déluge, a débuté le gai savoir de la vie en temps abyssaux. Alors, cette bénigne référence à Nietzsche avec le gai savoir, M. Kessler-Derdijk met sur scène ce qui est aujourd'hui la clé de la malaise sur ce vecteur prétendument infini qui désigne l'alignement du passé, du présent et du futur. Les savoirs et la connaissance qui font découvrir le bord des abîmes. Les bords des abîmes. Mmh. Voilà, je préfère m'arrêter là. Pour la pause. Il paraît que j'ai été un peu trop rapide. Je vais essayer de faire un peu plus lentement pour que ça soit un peu plus clair. Est-ce que vous m'entendez au fond? Là, ça va? OK. Alors, on va faire une petite parenthèse ici pour vous parler de quelque chose que pendant que j'écrivais, je me suis rendu compte. À côté des mots qui racontent Saint Jean, l'Apocalypse, Guterres, etc., il y a des chiffres. D'un côté, donc, l'Apocalypse raconte un tiers de la terre brûle, un tiers, un quart, moitié, etc. D'autre part, vous avez 90%, 90%, 70%. Et voilà. Donc, il y a une espèce d'arithmologie spécifique dans les textes. Qu'il soit scientifique ou qu'il soit des récits culturels, qui est très intéressant et qu'on ne va pas rentrer dans le détail, enfin, on ne va pas du tout vraiment la toucher, mais il faut avoir conscience du fait qu'il compte à deux doubles sens. Compter et raconter, ce sont des termes qui sont parents et que le chiffre et la parole racontent tous les deux. Et compte tout le monde. D'ailleurs, une parole, comme vous le savez, la parole classique ancienne était rythmée. Le métron grec est né pour la poésie, pour scander et donner du rythme parce que les gens chantaient et dansaient pour créer du groupe. Okay? Le mot métrique, le mot métron, enfin, ce qu'on utilise pour mesurer les choses, n'est pas une parole qui vient des mathématiques. C'est une parole qui vient de la poésie. Alors, en tout cas, ça nous montre que aussi bien Saint-Jean que Guterres et les scientifiques essayent de raconter quelque chose sur la mesurabilité de ce qui se passe pour donner des mesures de comparaison. Alors, et c'est là où Hannah Arendt nous raconte, nous dit, nous rappelle. Au moment précis où l'on découvrit l'immensité de l'espace disponible sur Terre, commença le fameux rétrécissement de la planète. Dans notre monde, qui est la conséquence de l'époque moderne, tout homme est un habitant de la Terre autant que de sa patrie. Seul le recul de l'histoire nous montre ce qui est évident. Rien ne reste immense de ce que l'on peut mesurer. Alors, ça veut dire que d'une part, nous avions les volontés, les scientifiques et Saint-Jean voulaient rendre mesurable, rendre compréhensible, comptable par le récit, compter et raconter aux gens pour qu'ils puissent s'approprier du récit. Tu ne peux pas t'approprier d'un récit sur l'évolution de la Terre sans chiffres. C'est une évidence. D'où l'importance qu'on... Enfin, avec le Covid, c'était évident. Il fallait donner partout des graphes, etc. Et il faut dire aussi que nous sommes tous témoins d'une énorme évolution médiatique que personne n'avait connue auparavant sur Terre. C'est que nous avons maintenant dans nos journaux des graphes, ce qui n'existait pas il y a 5 ans. Nous, on le savions, les scientifiques, les ingénieurs, mais c'est circulé dans des mondes précis. Là, maintenant, tout le monde a droit à son petit graphe avec le pourcentage de morts, de vivants, qui est malade pour le Covid, et bien sûr maintenant pour le climat, où sont les feux, où sont les demi-feux, où est la sécheresse. Ça, c'est important.
ça nous a, là il y a une révolution noématique. On comprend de plus en plus, on lit des chiffres à côté d'un récit dans un journal. Et ça existait beaucoup pour l'économie, mais c'était encore des choses spécifiques. Mais là, tout le monde a droit à ça, ça c'est important. Et d'autre part, justement, au moment où les gens ressentent la complexité, l'immensité du problème, aujourd'hui, les termes apocalypse utilisés ou déluge sont utilisés avec, en ayant oublié l'arithmologie. C'est pour montrer à quel point c'est immense. On utilise le mot biblique pour, disons, pour ouvrir à l'immensité du problème, l'immensurabilité du problème. Donc, vous avez des allers-retours entre la question du chiffre, du compte, de la compréhension, qui sont infinis, très complexes. Je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas faire de l'herméneutique de ça en ce moment, mais déjà, en posant le problème, il y aura sans doute des gens qui vont travailler dessus. Alors, il s'agit aussi de comprendre dans cette série de chiffres et de données ce que ça veut dire l'habitabilité de la Terre. En quoi la Terre, l'habitabilité de la Terre est une chose comptable et en quoi elle est une chose racontable. Alors, si la Terre habitable s'est rétrécie pour les humains, comme le dit Hannah Arendt, parce qu'on la mesure, nous avons maintenant cette capacité à garantir, comprenons ce qui est dans sa capacité à garantir des conditions acceptables pour les organismes. Et nous comprenons aussi comment cette capacité s'est réduite de manière géométrique, donc comptable, spectaculaire même. Alors, cette capacité fondamentale est d'abord intéressante parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Fabio aussi, non seulement parce que vous avez des quantités de nourriture, d'oxygène, d'hydrogène, de CO2 qui est là en quantité, mais aussi parce qu'il y a une régularité cyclique. Ce qui rend la vie sur Terre possible, ce n'est pas seulement les quantités de choses, mais aussi les temps réguliers, la répétition. Le fait que vous avez donc des saisons, vous avez le courant marin, vous avez tous les éléments qui permettent à cette zone critique, la biosphère, cette fine zone critique comme l'appelle la tour, à être vécue. Et c'est là où le problème devient plus complexe parce que justement les cosmographes aujourd'hui utilisent l'habitabilité de la Terre surtout pour parler de l'habitabilité d'autres planètes. Le terme habitabilité, habitability, inhabitability, si vous regardez sur Internet, si vous googlez le terme, c'est surtout dans des documents scientifiques qui parlent de l'habitabilité de Mars. Et cette habitabilité de Mars, pour l'instant, je trouvais seulement en anglais, parce qu'en italien, je n'ai pas trouvé, en français, je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas un terme encore aujourd'hui opérationnel en tant que l'habitabilité. Okay, on peut parler de la vie, on peut parler du vivant. Alors, mais il est utilisé pour parler du fait qu'il faut faire sur Mars et créer sur Mars des conditions terrestres. Donc la Terre est le jalon, plutôt la référence à partir de laquelle nous cherchons l'habitabilité ailleurs. Et c'est là où je voudrais revenir. Et nous sommes maintenant, grâce à ce type de réunion que nous avons ici et ailleurs, peu à peu certains, et de plus en plus, en train de revenir à ce que veut dire l'habitabilité pour la Terre, parce qu'il faut commencer par ça. Comment ici, sur cette planète, c'est possible d'avoir des conditions minimales pour accueillir la vie et les vivants? De combien de nourriture, d'eau, d'espace, de matière avons-nous besoin? Et quelle est la nécessaire faune et flore autour de nous? De combien d'individus vivants avons-nous besoin, au minimum, pour dire que notre vie vaut quelque chose? Quelle est la mesure? La mesure de l'habitabilité pour les humains. Ça, c'est une discussion qui vient de commencer. Alors, bien sûr, vous avez James Lovelock,
qui en 1979 ouvre la hypothèse Gaïa, qui est aussi appelée hypothèse bio-géochimique, qui est une théorie très avancée qu'il a fait avec la microbiologiste américaine Lynn Margulis, qui présente la Terre comme un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis 3 milliards d'années en harmonie avec la vie. Alors, l'hypothèse Gaïa a vraiment donné un nouvel élan à la compréhension de notre compréhension de la vie, parce qu'elle a démontré, en tout cas, elle a vraiment avancé dans les données, dans les connaissances, l'hypothèse que notre planète et les vivants ne sont pas deux choses séparées, que la Terre est du vivant, que la Terre est vivante. C'est-à-dire que le vivant a souvent transformé la partie inorganique de la Terre pour la rendre à son profit. Mais l'hypothèse Gaïa n'arrive pas à connecter suffisamment le quantitatif et le qualitatif de l'habitabilité. Alors, comme ce petit clin d'œil de Lovelock sur la métaphore était au départ, hein, utiliser des métaphores, si tu utilises des métaphores, non seulement tu parles de la partie quantitative, scientifique, mais il faut parler de la partie psychologique, de l'attachement à cette vie. Alors, peut-être la prochaine phase du travail que nous faisons tous ensemble serait de comprendre, de fusionner ces deux mondes, d'une part donc le monde biogéochimique, qui est celui de Lovelock, et puis le monde psychosociologique du vivre sur Terre, du Da auf die Erde sein, pour dire un peu d'une autre manière ce que dit Heidegger. Mais revenons, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment, qui est en démarrage. La question que nous posons aujourd'hui, c'est une question qui se trouve, il faut comprendre, être conscient du fait que nous posons une question qui essaie de fusionner deux champs, le champ de la science et le champ du récit. Le conte et le raconte. La comptabilité et le récit et le mythe. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore au départ. Mais revenons aux fonctions vitales et les quantités d'éléments qui assurent la vie humaine en moyenne. Parlons chiffres un peu. Par jour, pour une personne moyenne sur Terre, 2,5 litres d'eau. Vous le savez, hein, on a tous avec notre bouteille. Donc, je savais 400 litres d'oxygène. C'est pas beaucoup. 2400 kilocalories, pour ceux qui regardent le film. 0,83 grammes par kilo de protéines et 13 différents types de vitamines. Alors, ça, c'est un peu ce que nous cherchons, nous, organismes autonomes, sur Terre. Ça, c'est une base technique de la vitalité. Comment ça, c'est une base. Mais ça se trouve dans un espace, comme on l'a dit, trop petit, trop critique, de la zone critique, de la biosphère. Et aussi, on sait maintenant que nous ne pouvons pas vivre sans les autres organismes qui sont en nous, les microbes et les bactéries. Donc, en réalité, nous avons des univers qui se confondent. L'habitabilité pour nous, c'est déjà, nous sommes la Terre pour d'autres organismes qui sont en nous, qui nous permettent d'habiter. Vous comprenez? Donc, on a ce terme qui a été inventé par Lynn Margulis, holobionte, c'est-à-dire, on est dans une habitabilité complexe qui non seulement ne sépare pas l'individu de notre individu, mais certainement aussi, à mon avis, c'est ce que j'essaie de proposer, ne peut pas séparer le physique du psychologique. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments pour aller plus en avant dans cette hypothèse. Donc, l'habitabilité de la Terre prend forme autour de nous, mais aussi en nous, par des quantités et des qualités infinies d'autres substances, organismes et équilibres naturels. D'une part, de bactéries, etc., mais aussi sécurité, santé, éducation, créativité, relations, temps libre, you name it, vacances, bien-être.
Alors que nous étions en train de créer, d'aller dans ce sens, de créer cette espèce d'énorme continuum sans le dire, parce que nous créons dans la modernité la possibilité de fusionner, on commençait à créer une espèce de bien-vivre pour l'individu, arrive le déluge, arrive la fin de cette histoire. C'est ça un peu notre problème, c'est pour ça qu'on discute ça aujourd'hui. Alors, arrive une situation pour le futur comme celle que je vous racontais là, il y a en 2021, il y a un an, une recherche publiée dans Climate Change Biology sous le titre Climate Change Research and Action Must Look Beyond 2010 to 2100. Alors, ce sont des scientifiques de Montréal, du Royaume-Uni, qui font des modèles climatiques pour voir comment les concentrations atmosphériques vont changer après 2100. Parce que nous, ils disent, c'est facile jusqu'à 2100, c'est nos vies, c'est nous, c'est notre propre, nous et nos enfants. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le long terme? Alors, ils trouvent que la Terre sera alien et étrangère aux humains. Nous sommes en train de finir avec l'habitabilité de la Terre, selon pratiquement sur une bonne base de la planète, avec des stress thermiques qui peuvent atteindre des niveaux mortels pour les humains et pour les animaux. Et même dans les cas de forte atténuation, le niveau de mer va continuer à monter et donc nous aurons une forte atteinte à ce que nous, on connaît aujourd'hui comme habitabilité et probablement dans les sens complexes qu'on vient de dire. Alors, cette recherche, ce qui m'intéresse aussi, c'est parmi ces autres recherches, et elle utilise des mesures, des statistiques, des expérimentations, des échantillonnages. Et donc, ce sont des connaissances qui allient espace et temps. Et donc, ça c'est des connaissances, et les connaissances conduisent à des hypothèses selon des projections. Vous savez, la connaissance est une chose, un fait. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle approche que nous avons sur le climat, c'est que les connaissances construisent des projections pour le futur, qui n'est pas un fait. On est d'accord? Donc, vous projetez, vous faites votre courbe, et après, vous voyez maintenant aussi avec le COVID, vous osez projeter cette courbe ou faire des scénarios pour le futur, selon les méthodes mathématiques, forçage radiatif, probabiliste, déterministe, stochastique, etc. Il y a des termes mathématiques qui vous expliquent comment vous pouvez étendre une ligne de fait pour le futur. Sans que ce soit un projet, on va parler du projet. Ce n'est pas un projet, c'est une situation statistique probable. Donc, cette logique de la probabilité et du scénario est pour nous aujourd'hui très importante parce que c'est comme ça que nous travaillons, nous tous, sur l'actualité. Nous sommes alertés aujourd'hui sur ce qui se passe aujourd'hui parce que nous voyons la probabilité du futur, la projection dans le futur. Ça, c'est aussi une nouvelle capacité intellectuelle que nous avons. Bien sûr, on sait toujours que si tu fais ça, ceci, tu auras cela. Okay? Ça, c'est quelque chose qui est assez générique. Tout le monde l'a dans sa vie propre. Si je saute, là, je vais tomber, je vais me casser la jambe. Mais là, vous avez une complexité d'arguments, une complexité de situation tellement grande que vous pouvez dire non, c'est trop grand, je lâche. Ce futur je suis incapable en tant que scientifique de saisir la complexité. Non, c'est ça qui est intéressant. Là, nous avons aujourd'hui des gens que j'admire énormément, qui sont capables de mettre tout ça sur une ligne, de mettre tout ça sur des tableaux, Excel, bien sûr, la mère de tous les Excel, c'est la photo de la vie, et essayer de voir où vont ces lignes du futur. Et bien sûr, ça a été le cas avec Dennis Donella Meadows, le fameux écrivain des limites de la croissance, en 1972, déjà, ils ont fait un modèle de calcul de probabilité qui s'appelait World, et là maintenant c'est World 2, 2.0. Et grâce à ce travail, il y a le GIEC qui arrive et qui fait d'autres projections qu'il appelle Representative Concentration Pathways, donc des chemins,
qu'il abrévie avec une abréviation RCP. Donc, il y a, quand vous voyez RCP 2.6, 4.5, 6.0, 8.5, c'est quatre projections possibles de ce qui va se passer selon comment on va travailler sur Terre, comment on va réagir à la réalité qui est autour de nous. Et bien sûr, vous avez le RCP 2.6 qui est le plus joli pour nous, qui est le plus calme, mais disons. Et puis, vous avez le RCP 8.5 qui shoots up. Et si on ne fait rien, le business as usual model. Et le problème derrière, ce n'est pas les quatre scénarios, c'est que le scénario 8.5 a plus de probabilités d'être réalisé que le scénario 2.6. Et c'est là où le sort devient compliqué. Donc, ce qui est pourquoi je dis ça, parce que j'ai l'impression que nous avons maintenant, enfin, je me réfère à tout ça parce que ça fait partie des connaissances qui font que nous savons. Et il faut nommer ces connaissances, il faut savoir où aller chercher quand quelqu'un vous dit, qui vous dit, c'est qui toi? Parce qu'on a parlé hier avec une journaliste qui a dit, c'est qui le GIEC, c'est qui le BBC qui dit ça? Voilà. Donc il y a une conscience collective, un récit collectif que nous faisons à travers les chiffres. Un compte, dans le sens de raconter à travers les comptes qu'il faut partager, qu'il faut comprendre, et qui devient une chose commune avant d'aller plus loin chez celles et ceux qui déclarent une certaine liberté d'action. Alors, et juste rapidement pour raconter qu'on sait, donc je rappelle qu'on sait que le gaz à effet de serre est un problème, que ce gaz à effet de serre a une longue histoire, qui est très bon en fait, qui nous a aidé. Le gaz à effet de serre, le CO2, les autres ont vraiment aidé la Terre à se réchauffer et à passer de la période glaciaire à la période la fonte de glace et l'essor de la civilisation. De l'agriculture, il y a 10 000 ans, la fonte de glace, on peut dire, voilà, ce lac, il fait partie de ses effets. Et grâce à ça, grâce au CO2, grâce à l'azote, nous avons pu, qui a monté, qui peut un peu monter, parce que justement, il y avait un emballement, et ont permis à l'humanité à s'étaler, à créer ce qu'elle est aujourd'hui. Et on sait depuis longtemps, on sait depuis. Et Bénédicte de Saussure, qui avait des effets thermiques, il y avait Eunice Newton Foote, qui découvre que c'est le dioxyde de carbone qui sort de la planète en 1860, par là. Après, il y a John Tyndall, néerlandais. Et finalement, il y a Svante Arrhenius, qui dit si le CO2 commence comme ça, et il s'adresse aux gens qui brûlent du charbon à la fin du 19e siècle, il dit. Un doublement du taux de CO2 causerait un réchauffement d'environ 5 degrés. Et on est presque au doublement. Mais lui, il imaginait que ça allait se passer très lentement dans 3000 ans, alors que ça se passe dans 100 ans. Voilà. Et ça, il y a donc un journal normal, comme le Monde de la République, de Alabama, la Selma Times, en 1902, qui écrit Avis aux consommateurs de charbon. Et qui revient à cette récente théorie d'Arrhenius, qui dit clairement que cette combustion de charbon conduirait à un tel degré de réchauffement climatique qui serait la cause de l'extinction des humains. C'était publié dans le journal en 1902. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Voilà. Et bien sûr, après, vous allez dire, mais pourquoi tout ça? Pourquoi on n'a déjà pas arrêté? Mais on n'a pas arrêté parce qu'en réalité, vous avez une énorme capacité énergétique du pétrole, du charbon, qui nous permet de multiplier notre confort. Nous sommes allés direct dans la bouche du loup avec le confort. Le fait que nous sommes ici aujourd'hui, ce que tu dis, on peut d'une autre manière, on se sent mal. Le fait que nous sommes ici aujourd'hui en train de discuter ça dans l'esprit, et pas dans les champs pour labourer pour notre nourriture journalière, c'est grâce au CO2 qui a été émis. Sorry. C'est comme ça. Il y a une claire compréhension maintenant que notre humanité
qui est l'hospitalité de la terre, plus que son habitabilité, parce que l'habitabilité était là avant les machines, et aussi la cause du problème. Notre terre est devenue hospitalière pour nous et elle nous et renverse la situation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors, selon Bruno Latour, dans cette fuite hors du monde matériel vers le monde spirituel, je cite, hein, apparemment rématérialisé, parce qu'on a maintenant de la matière, des éléments, des choses, des objets. On ne voyait plus que des valeurs. Des valeurs de liberté, des valeurs de partout, des valeurs pour lesquelles on lutte hein, aujourd'hui en tant que classe, en tant qu'humain, etc. Elle tenait du ciel puisque le progrès paraissait pratique, réaliste, empirique. Mais du ciel, ces figures conservaient leur valeur décisive, longtemps portée par les croyants, d'accéder à quelque chose de définitif et d'absolu, la liberté, l'humanité. Le beurre et l'argent du beurre, dit Latour. L'amalgame n'était bien sûr pas stable, mais il a paru pour un temps irrésistible. Toujours la quête du paradis, dit-il, mais sur Terre. Alors, c'est là où il parle du paradis, et je rappelle qu'il y a un autre philosophe américain, Eric Fogelin, il a parlé aussi du paradis de l'entreprise, donc qui installait l'humanité dans une sorte de paradis terrestre, la modernité. Pardon. Et bien sûr, Latour se rend compte que non seulement nous, maintenant nous comprenons, mais il y a une rage possible de voir de ceux qui vont voir s'évanouir l'issue du secours du paradis sur Terre et qui vont devenir très nerveux. Par exemple, là, pour la prochaine votation sur l'élevage en Suisse, où j'ai le courant, les gens qui sont contre l'élevage intensif ont peur de s'exprimer par peur de représailles de leurs collègues de l'élevage intensif. La rage de ceux qui vont voir ce monde disparaître. C'est aussi grave que le vrai problème technique. Parce que c'est l'autre partie du problème. On a dit géotechnique et psychosociologique. Le psychosociologique va sortir à ce conflit que nous aurons avec tous ces gens, peut-être nous aussi, en partie, qui ne veulent pas accepter qu'il y a un basculement. Ce n'est pas seulement une histoire de déni psychologique, c'est une histoire de la violence suite au déni par les gens qui ne seront pas d'accord, qui ne voudront pas participer à un possible changement de voie. Donc, c'est là où arrive le paradis. Je ne vais pas rappeler, pour ne pas perdre trop de temps, et qu'est-ce que c'est le paradis? Sans doute, certainement, vous le savez, c'est un terme iranien qui veut dire « jardin ». Et qui dans la culture biblique, il a été mélangé, fusionné avec le jardin d'Eden, pour parler à la fois de l'ailleurs, de l'avant, de l'époque d'or, mais aussi du futur, de l'utopie, donc une espèce de télescopage des temps possibles, et parler aussi d'idéal d'une vie sans peine, au travail, sans travail, ou avec moins de travail, et un droit d'exploitation des ressources humaines et environnementales. Alors, c'est le paradis terrestre qui est lié à la longue modernité. Ça, c'était écrit et réécrit, donc ce n'est pas un mot de dire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est, je rappelle ce que j'ai dit au début, l'essence de la perte du paradis. À la suite de la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal par le protoplaste. C'est-à-dire l'essence de l'exil involontaire d'un jardin clos et protégé, qui était le paradis, qui était habitable par principe, et qui était un lieu d'insouciance, d'abondance et d'évidence, hein, pour appeler Macron. Et donc, un désir, une volonté, et alors, donc, la chute de ce paradis, par la suite, une échappée vers un espace extérieur, à l'extérieur du paradis, non protégé, infini, où les actes de survie s'articulent pour créer une nouvelle habitabilité forcée. Nous sommes obligés d'être créatifs pour rendre
cet espace infini habitable. Alors, pareil, je vais vous lire quelques phrases de ces récits. Je ne sais pas si vous avez jamais lu le récit de la chute du paradis de la Genèse. C'est quand même assez intéressant. Et ça permet aussi de voir un peu différents types de discours qui se mêlent entre eux. Parce que je vous ai pris la tête avec des scientifiques, des RCP et compagnie. Mais là, vous avez donc les mêmes traducteurs, Louis Egon, genevois, un protestant qui a fait une très belle traduction de la Genèse. Je ne vais pas dire tout parce que c'est trop long. Et puis vous avez maintenant le rôtisme de femmes, l'homme, Ève, Adam, qui a donné le fruit à qui, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie n'est pas l'arbre du bien. Intéressant. Etc. Il y a des fleuves qui passent. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, pour le soigner. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La chute, c'est une mort. C'est pourquoi l'homme, une fois, il crée aussi la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, la connaissance, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Etc. L'homme va. Ok. Je mettrai, les conséquences. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et ta femme, et la femme, dit à Adam, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la seule sueur de ton visage que tu mangeras du pain de travail. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. L'Éternel dit, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils en revêtirent. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, le Dieu, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. On n'est pas encore éternel, mais c'est ce qu'on essaie, c'est ce que dit Harari dans Homo Deus. Et l'éternel Dieu le chercha du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre et il a mis aussi une garde dans le jardin pour garder bien l'arbre de la vie. Voilà, donc je trouve exceptionnel quand on dit ça. On dit, on a pu
plus ou moins des idées, mais quand tu veux vraiment lire, tu vois un peu aussi l'expansion. C'est un prisme symbolique très puissant. Et je comprends personnellement cette capacité humaine acquise par désobéissance de distinguer le bien du mal, cette capacité de distinction comme la sortie de l'animalité et le début de la conscience. C'est-à-dire la conscience, des perceptions, des pensées, des sentiments, awareness en anglais, par lesquels les humains jaugent la réalité dans ses valeurs pour déterminer une action dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, un projet. La chute du paradis, c'est le début du projet humain. C'est le début de naître au monde en action. Et ainsi, le projet, le début d'un projet du monde. À partir de ce moment, nous écrivons des histoires qui sont des projets du monde. Alors, si on peut aller plus loin un peu, cet acte, disons, qui est défendu, de manger d'un fruit défendu, de désobéissance, c'est aussi une des origines du moderne, car il a mis l'humanité en action contre la nature, et donc, puisque ça crée une séparation physique et mentale. Donc, le péché originel et cette chute signalent la sortie de l'humanité d'une sorte de non-verbalité, de non-récit, d'un espace ahistorique vers l'espace du jugement par le langage. Si je parle, si je fais de l'histoire, je suis capable de juger. Donc, nous sommes avec cette sortie, nous sommes sortis dans un vide sidéral de l'histoire, que j'écrivons encore et encore, et dans une créativité obligatoire et contrainte. Nous sommes obligés de créer. La création est une obligation, ce n'est pas une liberté. C'est la seule manière d'être libre, d'ailleurs. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que cette mélange entre l'obligation de créer et la liberté de créer a été reprise par Heidegger dans ce Baron von Leben, qui est un des plus beaux textes que nous, architectes, avons dans notre escarcelle. Dit habiter, être, c'est être mis en sûreté. Donc, une vie habitable, une terre habitable, une terre en sûreté, qui veut dire rester enclos, eingefriedet, dans ce qui nous est parent, dans ce qui nous est commun, in das Freie. Donc, tout ce qui ménage la sécurité, c'est de l'habitat et c'est de la liberté. Une histoire, c'est un projet. C'est un projet qui est contraint, c'est la seule manière de rester, mais aussi un projet qui permet de se libérer tout en restant en enclos. C'est une espèce d'aller-retour entre la fermeture volontaire dans un enclos qui est le jardin que nous sommes obligés de créer à chaque fois puisque nous avons perdu le jardin initial que nous n'allons plus retrouver. Alors, la tour, encore une fois, exclame « Ô malheureux moderne, comment comprendre que vous aspiriez à devenir des humains à l'ancienne, libres, émancipés de toute attache, on voit vers le progrès, respirant en plein poumon, dehors, dehors. » En réalité, la fin d'une histoire. Alors, que faire? Et je finis. C'est un terme, c'est mon que faire, vous savez, c'est un titre terrible. Ça a été inventé en Russie par Nikolai Chernyshevsky, le Homme Nouveau, et puis bien sûr Lénine a écrit le texte que faire en 1900. Pratique. C'est une phrase qui revient à la bouche de ceux qui disent alors qu'est-ce qu'on fait pratiquement, concrètement, je fais quoi? Et c'est là où c'est très ironique. Il y a des gens qui ont compris que cette logique pratique de dis-moi ce que je veux faire. Ça, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas céder à la question de type complètement culturel. Dis-moi, donne-moi une solution. Comme dit Charles Péguy, ce qui caractérise les modernes, c'est qu'ils font les malins. Ils savent à quoi s'en tenir. Ils ne sont jamais pris au dépourvu. Ils ont réponse à tout. Le soleil de leur intelligence dissipe l'obscurité des affaires humaines. Fort de l'identité du réel et du rationnel,
il se plante et contemple la création. Donc, si vous répondez à quelqu'un que faire, vous donnez une réponse, vous restez dans le moderne. Vous restez dans le problème. Alors, que faire? Tâtonner. Il dit à un moment donné, il faut rester tâtonner, essayer, revenir sur les échecs, explorer. Que faire? C'est trial and error, en réalité. C'est-à-dire essayer et se tromper dans les prochaines années. Rester dans cette situation intermédiaire parce qu'on va mentir. Vous le savez, vous le voyez quand on donne des solutions pour la ville ou pour le pays. C'est clair que ce n'est pas des solutions. Ce sont des solutions malines des gens qui voudraient juste sembler avoir le paradis de la voiture électrique. Voilà, fric et tout ce qui vient avec. Parce que, d'ailleurs, Greta Thunberg disait quelque part, alors il faut sortir dans la rue, bien sûr, casser tout, désobéissance civile. Et Greta disait quelque part, I don't want you to be hopeful, I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day, and then I want you to act. Cet acte, ce n'est pas une solution, pas un acte de solution. C'est un acte d'erreur, de trial and error, c'est un acte de test. Et parce que nous ne sommes plus, ce n'est pas une crise qu'on peut résoudre. Vous savez, le mot crise, de crise, c'est quand tu donnes un médicament à quelqu'un. Ça vient de la médecine ancienne et qui dit, voilà, tu es en crise, ton corps est en crise, je te donne un médicament et tu seras bien. Nous savons qu'il n'y aura plus un retour à l'arrière, que nous sommes dans un nouveau régime climatique, comme on l'appelle. Et ce nouveau régime climatique n'accepte pas les types de solutions qu'on avait par le passé. C'est là où arrive la question de la métamorphose, que Latour donne dans ce texte magnifique « Où suis-je ?» et comment nous allons nous en sortir, il se demande. La réponse est que nous n'en sortirons pas, sauf si nous acceptons de prendre sur notre dos, comme Atlas, cette température, cette atmosphère, cette prolifération de commensaux qui nous paraissent naguère un simple environnement dont nous n'avons pas à nous occuper. Donc, il faut accepter la situation. Il faut rester. Et là où c'est plus intéressant encore, c'est que dans cette espèce de liberté conditionnelle où nous sommes, probablement la seule manière, c'est le retour dans des situations d'enclos, des récits. Un récit, c'est dans l'enclos, c'est une condition que tu crées en récitant, en créant un conte. Il faut être habité par les récits. Il faut habiter le monde par les récits croisés. Des récits croisés qui créent probablement des jardins spirituels et des jardins réels, des espaces dans lesquels nous pouvons échanger, comme ici, ça c'est un jardin, et nos apories sur le futur. Cette histoire de jardin à protéger, à soigner, c'est bien sûr, j'avais sans doute lu le pape François avec Laudato aussi, où il reparle du jardin à soigner. Donc, c'est dans un aller-retour incessant entre matière et esprit où nous serons amenés à transformer le Bauen en construction en Bauen culture. Vous savez que Bauer, c'est aussi le paysan, celui qui cultive. C'est une spirale créative qui va passer par les soins du jardin planétaire. Alors, pourquoi nous avons cette histoire de soins, d'où il vient? Pourquoi nous avons eu besoin d'applaudir les personnels soignants durant le COVID? Parce qu'il y avait là un pressenti de nos futures conditions de l'habitabilité de la Terre. Parce qu'une fois expulsés d'un espace de confort insouciant, tel que le paradis terrestre, ce qui rend votre vie tenable, votre lieu de vie habitable, quoique provisoire et instable, c'est les récits qui soignent l'esprit et le corps. Et l'âme. Sans ces récits de la métamorphose que nous allons subir, la métamorphose venant de Kafka, du livre de Kafka, ou Kafar, et la vie sera impossible. Mais il n'y a pas que les soignants, j'ai fini, qui soignent par le récit et les actes pour élever donc ce défi qui est le plus grand défi de l'humanité.
Il faut avoir mettre l'échange de notre côté. Il faut mettre tout le monde de notre côté. Il faut prendre soin des différents aspects de la vie. Il faut prendre soin du savoir, parce que nous avons besoin des scientifiques et d'enseignants. Pour prendre soin de l'imagination, pour stimuler nos émotions, nous avons besoin d'artistes. Pour le soin des aspects matériels, nous avons besoin d'ingénieurs, des inventeurs, des paysans, des survivalistes. Pour défendre à quoi nous tenons, nos positions, il faut des militants, des activistes. Pour le corps et la psyché, nous avons besoin de méditants, de personnes impliquées dans le chemin spirituel, etc. Nous avons besoin de personnes qui ne sont pas inquiètes, mais aussi des hypersensibles qui sont inquiètes. Parce que nous avons besoin de sentinelles dans cette histoire. Nous avons besoin de résilients et de vulnérables. Les résilients sont là pour créer, mais les vulnérables sont là pour voir la résistance du système. Il n'y a pas de tâche plus noble, plus profonde, plus définitive que celle que notre génération portera dans les prochaines années. Nous pouvons l'assumer de manière optimiste ou pessimiste. Mais nous pouvons aussi nous résoudre à ces récits et aux actions qui vont sortir de ces récits, ni avec optimisme, ni avec pessimisme. Mais comme le dit Nietzsche dans son essai d'autocritique, avec la force de la volonté, sans découragement face aux aspects de la vie, qui sont imparfaits, déplaisants, mais avec une capacité de reconnaître et d'affronter les aspects les plus douloureux et les plus terrifiants. Donc, en réalité, une capacité à acquiescer à la vie, d'en jouir et de construire un nouveau sens. Merci.